coucou, donc voilà, bienvenue à Langkawi. Donc nous sommes en Malaisie pour quelques jours. Nous allons commencer avec la première activité du jour. Nous allons visiter différentes îles. Donc en gros, vous prenez un tour en bateau à plusieurs et vous faites ce qu'on appelle ici le island hopping. Donc voilà, c'est parti pour la première activité. Voilà, on va continuer la journée. Donc deuxième activité, nous allons nous rendre au Sky Cable. Donc en gros c'est un téléphérique qui monte et qui permet d'avoir une super belle vue sur Langkawi. Ça monte à 800 mètres d'altitude. Et alors la deuxième attraction qui est pas loin, c'est le Sky Bridge. Donc là c'est un pont qui est suspendu à 700 mètres et pareil qui est super joli. Donc c'est parti pour le Sky Bridge et le Sky Cab. Le 3D Langkawi Art Museum. Première journée à Langkawi, c'était sympa mais crevante, franchement on a fait quand même pas mal de choses. Donc je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures ici à Langkawi. Bye bye. Coucou, donc J2 à Langkawi, direction la plage. Donc il y a plusieurs plages ici à Langkawi. On va partir dans la plus populaire, celle qui est plus connue, la Senang Beach. Donc voilà, et après on verra l'après-midi ce qu'on fera, mais il est déjà midi, on s'est réveillé assez tard ce matin. Et voilà, donc c'est parti pour Senang Beach. Oh,
Coucou, donc dernier jour ici à Langkawi, enfin dernier jour on va dire, dernier jour d'activité, on a bouclé un tour pour faire un tour sur la mangrove, sauf qu'il pleut à verse. Bon, finalement on y est, voilà, la mangrove elle est juste derrière. En gros c'est une activité qui va nous prendre toute la matinée. On a plusieurs points à visiter, des grottes, observer les aigles, donner à manger aux poissons, bref, plein de choses comme ça. Donc on vous emmène avec nous et on va voir un peu ce que ça va donner en espérant que la pluie va se calmer un petit peu. Donc la plage de Tanjungurru est au bout de cette route. Ici. Voilà, on vient d'arriver. Papa, écris pour moi. À Tanjungurru Beach. Il y a le drapeau rouge. Les filles ne pourront pas aller dans l'eau, je pense. Voilà, on n'était pas loin ce matin ici. On n'était pas loin d'ici ce matin et on n'a pas pu s'arrêter en bateau parce que ça bougeait énormément. Mais c'est vrai que c'est sympa. Franchement, elle est sympa la plage. Il y a des gros nuages. Thank you.
quelle heure là? Il est 22h passées, on vient de manger au Yasmine restaurant, un restaurant syrien. Franchement, c'était super bon. On va reprendre le taxi et on va aller au cinéma à la séance de 23h. Puis dodo et demain matin, on quitte Langkawi. Voili voilou. Donc on va se quitter ici tout doucement et j'espère en tout cas que le vlog vous aura plu. J'essaierai d'écrire un article avec un peu les différentes choses à faire ici à Langkawi, mais je pense que je vous ai montré l'essentiel. Et 3 jours, franchement, 3 jours ou 4 jours? On était 4 jours sur place ou 3 jours 4 jours, ouais. 3 jours sur place, c'est amplement suffisant. Vous pouvez quand même faire pas mal de choses. L'île est assez grande, mais les activités sont assez concentrées. Donc voilà, je vous quitte. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.